je suis le professeur Thiblemont de l'hôpital Saint-Louis, service d'hématologie. Bonjour, je suis le docteur Guy Blasi et je suis hématologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Le lymphome est un cancer des ganglions. C'est un des cancers les plus fréquents, arrivant au cinquième rang en termes d'épidémiologie du cancer dans le monde. Et il est traité habituellement par une chimiothérapie. Depuis maintenant 4 à 5 ans, d'immenses progrès ont été réalisés basés sur l'immunothérapie cellulaire, notamment un traitement par CAR T-cell et aussi des traitements par anticorps bispécifiques. Le docteur Guy Blasi, dans mon équipe, est une chercheuse, médecin, référente mondiale des traitements par CAR T-cell et va vous expliquer ce traitement. Les CAR T-cell sont des lymphocytes T modifiés de façon engénérisée pour pouvoir reconnaître les cellules tumorales du patient, pouvoir s'accrocher et détruire ces cellules tumorales. Donc c'est une façon de modifier le système immunitaire et les cellules immunitaires d'un patient contre la maladie. C'est absolument une innovation thérapeutique que depuis maintenant 5 ans, le soin courant a permis d'améliorer fortement le pronostic des patients qui présentaient des lymphomes en rechute ou réfractaires. L'autre immunothérapie, ce sont donc les anticorps bispécifiques, qui sont des anticorps injectés par voie intraveineuse qui vont permettre de rapprocher les cellules de l'immunité et stimuler ces cellules proches de la tumeur. L'action est remarquable, même en cas de pathologie de lymphome extrêmement réfractaire. Notre expertise sur ces traitements innovants d'immunothérapie cellulaire est reconnue sur le plan international et nous avons eu la chance d'accueillir de nombreux médecins venant d'Europe mais aussi des États-Unis pour apprendre à gérer ces nouvelles technologies de traitement.